10 000 pouces bleus partie 2. Partie 2, il la pousse à 150. Il la pousse à 150. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo avec monsieur Kip09. Je vous mets sa chaîne en description. Futur youtubeur gros cube, futur star, si je puis dire. Vous avez certainement vu ses miniatures avec ses gros godes en plastique sur les miniatures. Là on va tester son kit 79 top alu. Non en vrai les mecs, vas-y je le fais moi-même, on va voir si je me trompe pas. MT09 2020 17. Après tu peux pas savoir entre 2017 et 2020, y a pas de différence. Ah y'a pas de différence. Donc 900 cm3. Ouais, 847. 847, bah pourquoi mettre 09 alors? Bah c'est parce que c'est considéré comme 900 quoi, enfin je sais pas. Ouais. Ligne Acra full. Regardez, elle est pas belle. Elle fait un petit peu de bruit hein. Siège confort pour les flemmards. Pour poser son gros fiac dessus. Petit rétro. Ça en vrai t'as dit que c'était de la merde. Enfin t'as dit que tu les regardais pas toi. Bon, en fait c'est un peu chiant ça, c'est genre en dessous des pieds. Ouais. Bon, en fait ça fait le taf hein. Ça c'est pour éviter le foutage. C'est important. Ça me fume. Ça tu gagnes des heures de montage. Ça c'est toi qui l'as changé ça. Ouais. Bon là c'est cassé mais t'inquiète. Du coup toi la moto tu l'as eu origine, elle était noire. T'as mis une ligne. Non la ligne était déjà. Elle était déjà. Kit déco. Ouais. Est-ce que ça c'était déjà? Non. Non, tu l'as rajouté. Il faut protéger. Parce que vu que je fais pas mal de wheeling et tout. Ouais. Je sais jamais donc j'ai tout protégé. Tu fais le stunter. Non et après c'est aussi dans les ronds-points ça. Quand je fais le jouer, je vais la protéger. Poignée chauffante. C'est quoi ça? Ça c'est les serviettes. Ah ouais. Ah ouais t'en as l'œil là. Ah ouais ça tue. Là poignée chauffante. Ça c'est les feux. Ça c'est le régulateur. Non, ça là. C'est quoi ça? Ça c'est les modes. Donc en fait t'as le PCS1 et t'as le PCS2. Mais toi tu as les points 2. C'est genre là t'es sûr de pas faire de wheeling. Ouais c'est bien ça. C'est quoi ça? Plein phare. Plein phare. Ouais c'est pas pareil qu'une 50 hein. Ouais. C'est un truc. Clignot là? Ouais. Non là, non là. Et ça c'est quoi ça? Warning. Ah ouais, pas mal. Vas-y, fais-nous ton bruit, toi. Écoutez le mien. Ah, il est un peu plus grave. T'as vraiment des bruits de kéké. Vraiment, la moto, elle est pas mal. Elle est belle, très belle. Bon, alors là, ce qui diffère d'une 50, c'est que c'est le jour et la nuit. Toi, t'as pas eu de 50, hein. Non. T'as ni de scoot? Non. Direct ça? Non, j'ai eu d'autres motos avant. Ouais, ouais. T'as eu quoi avant comme moto? Une BMI XC, un bureau. En enduro? Oh. Ah ouais. Ça je t'ai dit je vais bientôt en racheter. Bah ouais. On ira ensemble. Les mecs, 85 000 pouces bleus, il est obligé de s'en acheter une. Bah, t'es un fou, t'es. Non en vrai c'est pas mal. En enduro, et t'as bien aimé l'enduro? Ouf. En plus je connais des spéciales, je t'en avais parlé. Ah ouais. Spécial de malade. Putain ouais. Il y a moyen de s'éclater mais c'est un peu plus long. Ouais ça a rien à voir en vrai avec, avec ça. Non bah non. Alors, consommation, combien? Cher. C'est quoi 20 litres là-dedans? 15? 14 je crois mais je sais pas exactement. C'est à peu près entre 18 et 20 euros et tu fais à peu près une journée. Seulement? Une journée, ouais après. Ouais tu tires dedans. Ouais voilà. Ouais voilà c'est ce que j'allais dire. C'est à peu près 180 km. 180 km ouais. Pas mal, pas mal. Vitesse max autoroute allemande? 225. Bridé? Ouais. Ouais. En fait ça te bride à 225, après tu peux pas aller plus haut. Ouais. Après, tu peux la enlever la bride. T'as combien de kilomètres? 16 000? Ouais. Toute neuve? Elle avait 9 000 en fait. Ah ouais j'avoue, bah moi elle en a 14. Je l'ai mis attends, quasiment 8 000. Attends, en fait, bah, 8 000 on va dire. Ouais. Quoi, en 8 mois. Ah ouais t'as bien roulé. T'as le mode A donc ça c'est le mode sport. Ouais. T'as le mode B c'est le mode pluie. Ouais. T'as SD, enfin standard pour en gros. Ouais. Et là tu mets en moyen, en standard, en... Non c'est en mode pluie. En mode pluie. Ouais. Ça change quoi en fait le mode pluie? Bah pas grand chose, juste qu'il y a un petit peu plus d'électronique et tout, tu vois. Ah c'est les aides. Ouais. Ah ouais. Ouais bah mets le mode pluie, mets même le mode orage. La moto, mais en mode B, t'en auras largement. Le mode orage y'a pas? Ah, non. Tsunami y'a pas.
Donc là, dites-vous les mecs, il va me laisser tester, il a confiance en moi, sur route fermée bien évidemment. On a réservé la route pour 30 minutes, donc il va falloir se dépêcher. On a payé assez cher, du coup mettez des pouces bleus et allez s'abonner à sa chaîne. Très important parce qu'on a quand même payé cher pour réserver la route, hein. Ah, pas se mentir. Je vais monter dessus et tu nous fais un brief, ok? Des consignes. Bon, c'est parti mon kiki. Oh, combien ça pèse en kilos ça? 180 je pense. Et moi ça fait 100. Bon, ok. Déjà fais-nous un petit brief. Des consignes de sécurité, telle une auto-école. C'est comme la tienne, gros. C'est comme la mienne. C'est comme la tienne, mais... Ouais, faut pas... Il faut peut-être faire que... comme ça. Je veux, parce que moi, pour accélérer, j'y vais plein de poignées. Là, faut pas faire plein de poignées, là. Vraiment tout doucement sur les gaz. Ouais. Et tu vas t'embrayer pareil, tout doucement, tu fais pas le courant. Ouais. Bon, après, ta moto, je pense que tu fais pareil. Hein. Ah, ouais. Tout doucement. Et voilà, après, tu passes la 2 et... Limite, là, t'en as assez en 2. Je passe à combien de tours? Enfin, toi, tu le fais à l'oreille. Ouais, dès que tu passes... Ouais, 3-4 000. 3-4 000. Je pense que je vais pas dépasser 30, hein, là. En gros. Ouais. Doucement. T'as pas besoin d'accélérer, regarde. Ouais. Ah ouais, ça part. Ah ouais. Ah ouais, bah je vais essayer de faire ça alors. Mais vraiment tout doucement, sinon tu vas caler ou ouais. Tiens. Eh, je lui donne. C'est toi, ça, non? Oh, la suspension, elle crie là. Elle dit que je suis lourd en fumée. Vas-y, fais-nous un passage devant la caméra là. Attends, pour démarrer, bah vas-y, hein. Ah ouais, lui il croyait un démarreur électrique. Oh, ça fait. Oh, ça chante bien. Bon, c'est parti. Petite prière. Alors. T'inquiète. Ah ouais. Putain, on voit que ça a pas du tout la même puissance. Putain, c'est pas mal, hein. Ah ouais, ça a rien à voir. Là, il y en a sous la poignée. Ah ouais. Putain, c'est incroyable, il y en a sur la poignée, les mecs, hein. Ah ouais, regardez. Ah ouais. Oh là là. Oh là, c'est du gros bestiau, hein. Putain, je kiffe. Ah mais là, il va me forcer à acheter une bécane, lui. Dès que je peux, je passe mon petit permis, hein. Ah ouais, non, là j'adore. Oh, je suis en plein kiff. Je vais déjà me familiariser avec la moto avant d'essayer d'accélérer. Ah ouais. Putain, vraiment, faut pas mettre pleine poignée, hein. Putain, j'adore. Oh ouais, je me fais des petites accélérations et tout. T'en vois rien dans ces rétros. Oh ouais, je kiffe. Ah ouais, je kiffe. Ah ouais, par contre, ça freine, hein. Oh là là. C'est excellent. Eh, tu vas me forcer à acheter une vraie moto, toi. Ça tue. Ça... Eh, mais ça a rien à voir. Moi, tu vois, j'ai tendance... Attends. Moi, j'ai tendance à... Ah, tu sais, je fais ça avec ma poignée pour rigoler. Et là, tu peux pas faire ça pour rigoler. Non, c'est pour ça. Justement, et dans ma vidéo, je dis ça aussi. C'est incroyable. C'est dingue. Et même quand tu pars, genre moi, tu sais, ça part doucement. Toi, direct, tu sens la puissance, elle arrive. Comme ça, vers le bas. Oh, le bruit. C'est incroyable. Hop, 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 hop. Ok, là c'est bon. Ok. Ouais, le positionnement il est pas pareil qu'en 50. Putain, c'est incroyable. Ah ouais, c'est dingue. En plus, quand ça accélère, ça te lève. Ah ouais, ça a rien à voir. Oh là là, là je tombe amoureux là clairement. Ça a rien à... Et ça freine de fou, hein. Ça freine mais de malade.
là ça me rassure pas de rouler comme ça à côté de lui. J'aime bien avoir la route pour moi tout seul là. Là les mecs, j'ai même pas quoi vous dire en fait. Ça a rien à voir. Tu veux de la puissance, tu veux te balader, en fait là c'est une vraie moto pour se vider la tête. Tu vois, t'es en 50, déjà moi je kiffe. Mais ouah. Ah ouais là je suis en surkiff. Bon là je suis peut-être en sous-régime un peu. Juste envie de faire une petite pointe, de voir ce que ça fait. Ah ouais, t'as dû répondre en direct. Et je trouve pas ça lourd à conduire ou quoi, ça va. Quand t'as une vraie moto comme ça. Putain, vous m'étonnez qu'il y en a. Ça m'étonne même pas qu'il y en ait perdu le permis. C'est ça gère, ça gère. Les détours en vrai c'est compliqué. En fait le départ elle a beaucoup de patates comparé à la mienne. Bah en même temps c'est pas comparable. Si tu compares le jour et la nuit, genre en mode putain quand tu les vois en vidéo tu te dis putain ça marche. Mais quand t'es dessus encore là j'accélère que d'un. Ah ouais. Ah là il doit être pas serein quand il me voit accélérer. Incroyable. Amoureux, c'est incroyable. Oh ouais, c'est incroyable. C'est ouf. Je vous laisse kiffer en fait les mecs. Parce que je suis sûr qu'il y en a, ils ont des 50 et ils kiffent de faire ça. Et moi j'ai l'occasion de faire ça. Là je suis en kiff total en fait. Wow, c'est un autre monde ça bécane, je vous jure. Oh, là les mecs, allez voir sa chaîne parce que pour la confiance qu'il a eu, je vous jure. Il n'y en a pas beaucoup qui seraient prêts à le faire. Je suis subjugué par la puissance du truc. Oh, le truc de fou. Mais là, limite, j'en tremble. C'est ouf. En fait je disais à la caméra, les gens qui roulent en 50, mais quand ils vont essayer ça, mais ils vont débloquer. Mais ça a rien à voir. Et mais là les mecs, je vous jure, je suis comme ça. En gros je trempe des jambes tellement il y a de puissance. Mais c'est incroyable. Tu trouves comment ma conduite, ça va? Oh, franchement c'est carré, t'es à l'aise et tout, t'es propre hein. En vrai ça va. Ce qui est compliqué c'est partir. Partir en ligne droite ça va, mais tu sais partir comme ça, il y a trop de puissance. T'as même pas accéléré, juste tu fais ça. Compare à la mienne. Moi j'ai payé 8000. 8000? Putain, 8000, t'as une belle bécane en fait. 7006, mais il y avait une révision, un pneu à faire, tout ça. Enfin bref, 8000. Et après, par contre, j'ai rajouté pas mal de trucs. Ouais, j'avoue, elle est propre. T'as fait ta petite moto, tu te fais kiffer. Hop 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 hop. Allez on est reparti les mecs. Non vas-y c'est le démon en moto frère. T'as une bécane comme ça, faut arrêter là. Attendez, ouais le départ c'est vraiment chaud en fait. On va essayer de pas retourner des cyclistes.
Dites-moi dans les commentaires ceux qui ont des coups, des grosses motos comme ça. Si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas en vrai. Je vais pas te mentir, je vais toujours être preneur de petits conseils. Et là, il a fait un heureux. Tu te fais zizir là, hein. Là on va ranger le bijou. Et là je me suis fait un petit kiff là. Ah là j'ai vu. Ah j'ai tiré un petit tuning là. Genre je veux ça, quel âge, combien et le temps. Tu veux ça? Ouais, tu veux une bécane comme ça. Il faut 2 ans de permis. 2 ans de permis. Ok, 2 ans de permis voiture. Hein? Voiture? Non. Moto? Bah ouais gros, c'est une moto, c'est pas une voiture le mec. Donc là moi à mon âge, je veux ça. J'ai 18 ans, faut que je fasse quoi déjà? Genre en mode, si tu nous fais vite fait les étapes, parce qu'en vrai, il y en a plein, ils vont se poser les questions. Déjà, toi, t'as 17 ans. Ouais. Moi, je serais toi, je passerai le code voiture. Ok, permis voiture. Non, le code voiture. Enfin, le code de la route en fait. Ouais. Voilà, le code de la route. Ouais. Après, t'as le code moto, mais je sais pas si. Parce que ça, c'est nouveau, mais normalement, nous, avant, on avait un code, et maintenant, je crois que t'as un code voiture et un code moto. Ou alors, je sais pas si c'est ensemble. Ok. Mais bref, en gros, il faut le permis A2. D'accord. A2, c'est le permis moto basique. Ok. Et ensuite, tu commences par le permis A2. Et au bout de 2 ans de permis A2, ok, tu as le droit de passer en fait une petite formation de 7 heures. Et en fait, qui te permet d'avoir une moto plus puissante. Ok. Et donc, ça, c'est une moto en A. Donc, ça, c'est une moto vraie. On va dire ça, c'est une vraie moto. C'est pas les motos que tu as en dessous des 2 ans. Ouais, voilà. Ça commence à être puissant, tu vois. Ouais. Et t'as encore quelque chose au-dessus de ça, genre encore un autre permis où là tu peux acheter toutes les motos que tu veux. Là, je peux acheter tout. Donc demain, tu veux une Harley 1300, tu peux. Ouais. Ok. En gros, pour faire simple, ça c'est 116 chevaux. D'accord. Et le permis A2, tu peux aller jusqu'à 47,5. Ok. Et déjà, ton permis A2, tu vas le payer combien? Ton permis A2, ça dépend des motos écoles. Mais il faut compter aller entre 800 et 1000 euros. 800 et 1000. En fait, ouais, c'est comme le 125. Parce que moi, j'ai regardé pour le 125 et ça me coûtait 850 euros. Le 125, si t'as 17 ans, ça vaut pas le coup. Vaut mieux que tu. Que j'attende. T'attendes. Et de façon, tout passer, tu sais, passer le code et tout. Ouais. Les heures de plateau, passer tout ça. Et ben, t'auras quasiment 18 ans. Donc, moi, je te conseille directement de passer en A2. Et donc là, j'ai l'A2, j'ai 18 ans. Comme moto, tu me conseilles quoi? MT7. MT07. En fait c'est le bébé de ça. Et ça va être bride. Ça a combien de chevaux du coup? 47. Ouais, 47. Et en centimètres cubes, 700. Ouais c'est ça. 700 centimètres cubes, 47 chevaux. Ouais je pense. 18 ans. Et le budget d'une MT, tu vas débourser combien? Comme celui-là ou un peu moins, genre 5000 euros, 6000 euros? D'occasion tu peux en trouver à 6000 euros, après neuf, c'est plus autour des 9000 euros, 9500. Ok. C'est merci frérot parce que là, ouais. Dinguerie là que tu nous as fait aujourd'hui. Oh, et je m'attendais pas à autant de différence. Je m'attendais à une différence. Mais gros, attends, ça c'est une 50, ça c'est 850 on va dire. T'imagines, ça fait x17 mec, c'est énorme. Putain. Je pense que je peux le dire, si vous êtes dans le nord, tu sais, si jamais tu vas aller chercher au lycée. Ouais, bah les conditions c'est simple, bah vas-y explique. À ce que j'ai compris, avoir un casque. Casque, gants. Être équipé. Minimum 16 ans. 16 ans. C'est quand même assez puissant. Ouais. Si je prends quelqu'un et que j'accélère. Pas trop léger, ouais. Pas. En gros, vous avez 14 ans, vous êtes au collège, laissez tomber les mecs. Ouais. Et après, l'accord des parents s'ils sont mineurs. Ouais. Ouais, il a fait une vidéo, je vous la mettrai en description. Il est allé chercher un abonné au lycée, le mec a kiffé. J'ai vu la vidéo, elle était sympa. Donc. Il se met bien. Ah, lui, il se fait plaisir. En tout cas les mecs, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo, tous les liens en description, mettez des pouces bleus pour une partie 2, je sais pas ce qu'on fera mais vas-y, ouais. 10 000 pouces bleus partie 2. Partie 2, il la pousse à 150. Ah ça j'avoue, là je suis monté à 100 là. On trouve un endroit et il la pousse à 150. Putain les mecs, mettez-moi des pouces bleus, à 10 000 pouces bleus, 150 km/h avec la MT9 à 17 ans. J'ai rien à dire. À 17 ans, et ça c'est arrogant. Ça c'est arrogant, c'est insolent. Sur ce les mecs, bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit, perfect. Salut. Perfect.